Bonjour, je suis dans mon modeste bureau, Merci. du maire, euh, délégué spécial de la commune de Franceville. C'est un honneur. Je vais prendre place par ici. Le pays est actuellement à un moment crucial de son histoire, en pleine transition vers un avenir meilleur. Les Gabonais sont attentifs aux acteurs de cette transformation qui travaillent à restaurer les institutions. Nous avons le privilège d'être reçus par le délégué spécial de la commune de Franceville dans l'Ottogué, Christian-Dominique Diogo Cogno, avec qui nous allons discuter de la politique du développement de cette région et les principaux enjeux économiques qui y sont liés. Bienvenue dans cet entretien exclusif. Monsieur le délégué spécial de la commune de Franceville, merci de nous recevoir dans votre bureau. Bonjour et bienvenue. Euh... Monsieur le délégué spécial, vous êtes connu pour votre rigueur et surtout votre pragmatisme. Depuis des années, dans la province du Autogue, vous avez occupé plusieurs fonctions. Les Autogueens connaissent plus ou moins la méthode Cogno. Parlez-nous de votre feuille de route et surtout votre sens du devoir en arrivant ici à cette mairie de Franceville. Je voudrais de prime abord euh, remercier les plus hautes autorités de l'État en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, Bliss-Cloiter Oligui euh, qui a cru en moi en me hissant à la tête donc de la délégation spéciale de Franceville. J'espère, au cours de cette période, pouvoir être à la hauteur de ses attentes et à la hauteur... Des attentes des populations de Franceville. Alors, euh, la feuille de route est claire en ce qui concerne la délégation spéciale de Franceville. Nous avons une feuille de route qui retrace plusieurs projets. Nous voulons aménager un cimetière à Franceville parce que nous n'avons pas de cimetière pour une grande ville comme Franceville. On continue d'inhumer les gens dans des parcelles et. Il nous faut un endroit sacré pour les défunts. C'est déjà l'endroit est déjà identifié. Nous voulons également euh, une décharge au nord, une décharge au nord, ma Franceville, euh, parce qu'il y va de la santé, de la santé publique en général, et nous ne pouvons pas continuer à, à traiter nos ordures de la manière qui se fait actuellement. Nous avons déjà identifié un site sur la route de Benguet. Et euh, dans les plus brefs délais, nous allons faire les aménagements nécessaires qui pourront nous permettre donc de traiter les ordures, de revaloriser, de faire du recyclage. De manière plus concrète, que 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 quelles sont aujourd'hui vos priorités Sur quoi êtes-vous focus concernant focus, toutes ces politiques de développement C'est ces important. Ensuite, nous avons la gare routière de baya La gare routière de Bayer. nous devons refaire le portique à l'entrée de Franceville pour que ce soit un lieu où. Euh, même après les mariages, on peut venir faire des, des, des prises de vue, voilà. Et nous voulons également faire un, nous voulons créer une société de transport municipal. Nous avons vraiment beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets. Euh, nous allons rénover les établissements scolaires, rénover les, les, les dispensaires dans les quatre arrondissements de Franceville. Nous allons créer des espaces pour des espaces de jeux pour les jeunes, ce qui euh, ce que le chef de l'État porte à cœur. Nous allons euh, 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 créer des, des comment dirais-je, des actes garderies pour les enfants, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de couples qui n'arrivent pas à vaquer correctement à, aux occupations professionnelles, parce qu'ils n'arrivent pas pour les jeunes filles à, à garder les enfants en même temps, etc. Donc il faut, nous devons mettre en branle un certain nombre de, de projets, et ce ne pas des projets qui manquent, pour faire en sorte que... Euh, les populations de Franceville, les jeunes puissent vaquer à leurs occupations vivre dans un milieu plus euh, sain, convivial dans une ville de Franceville belle vous avez vous même vu le relief de Franceville Franceville a un relief paradisiaque vous avez vous allez monter euh, euh, observer Potos à partir de la ville vous avez des vues extraordinaires même en entrant quand vous arrivez par Végué nous avons beaucoup de sites comme ça, c'est une belle ville montagneuse et nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que euh, cette ville soit plus belle. Monsieur le délégué spécial, on voit quelques concrétisations, notamment euh, en matière d'infrastructure, les routes qui ont été euh, plus ou moins aménagées, certains circuits, certains tronçons. C'est des projets qui ont pris de l'envol avec euh, l'arrivée du CTRI. Euh, la société Colas, qui est en charge de toutes les voiries de Franceville, est en train de tout mettre en œuvre pour que euh, tous les quartiers de Franceville soient accessibles. En véhicule les voies secondaires et les voies, et, et les voies principales. Et nous, on y veille. On y veille parce que nous avons le cahier des charges et nous suivons la société au jour le jour pour euh, euh, vérifier avec les travaux publics la conformité de tout ce qui se fait avec les normes. Très bien. On continue sur cette lancée. Quels sont les objectifs fixés en matière d'éducation, de formation professionnelle on, euh, on a quand même beaucoup de jeunes dans, dans, dans cette région de France-Ville. Bon, il faut déjà dire que. Franceville. En ce qui concerne la ville de Franceville, nous avons plusieurs établissements secondaires euh, qui accueillent plus les, des, des jeunes de des tranches d'âge euh, diverses. Nous avons également des établissements professionnels, des centres de formation. Nous avons des, un, un lycée technique, le lycée technique Agathe au et nous avons également le centre multisectoriel de Bengué. Alors, tous ces centres ont été euh, euh, Mise en service, dernièrement inaugurée par le ministre de l'Éducation nationale, mais qui a déjà formé, par exemple celui de Mvinga, de a déjà formé la première promotion qui est déjà sortie. Ce sont des centres qui doivent beaucoup plus fonctionner en, en corrélation avec les entreprises existantes. C'est important. C'est 20%, 20 de, de théorie, 80% de pratique. Ce qui ferait que ces jeunes, au départ, euh, demandés par les entreprises, puissent être récupérés à la sortie, quand ils ont leur parchemin pour aller travailler dans ces entreprises. Ce que nous faisons, c'est inciter les directeurs des centres de formation, inciter les directeurs des, de, 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 de tous les centres professionnels qui existent dans la commune de Franceville, de travailler en synergie avec les entreprises présentes pour connaître exactement quels sont les besoins de ces entreprises afin que les jeunes qui sortent de ces, de ces, de ces écoles de formation puissent trouver... Rapidement du travail. Mais il faut aussi dire que il faut former pour que les jeunes puissent également se prendre en charge. C'est important. Et donc, dans les, 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 les modules de formation, euh, faire en sorte qu'il y ait de la formation pour que qu'un jeune qui arrive en fin de, en fin de formation, s'il n'a pas de travail, puisqu'il puisse se, se, se prendre en charge lui-même. Et là, je parlerai de la flexibilité professionnelle. C'est important. Les jeunes doivent pas seulement aller faire sur le terrain ce qu'ils ont fait en classe. Il faut absolument qu'on sorte de ce carcan qui fait que quand je fais une formation, c'est ce que je dois aller faire sur le terrain. Non. Euh, justement, restons dans, dans ces valeurs. Euh, on, on, on parlera ici aussi des, des valeurs que le, que le CTRI souhaite aujourd'hui implémenter dans la conscience des Gabonais. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Gabonais comprennent, Monsieur le délégué spécial, euh, les enjeux, la vision, la trajectoire que le pays est en train d'amorcer aujourd'hui Dans ce cadre-là, nous, en tant que adultes et euh, devanciers, nous devons sensibiliser, parler, toujours parler aux enfants. Les, les, les jeunes ont besoin d'une répétition. La pédagogie, c'est de la répétition. Vous répétez, vous répétez, vous répétez, ensuite, après, c'est ancré dans la mémoire. C'est très important. Donc, il faut absolument apprendre aux jeunes les valeurs de travail. Le travail bien fait, les valeurs d'assiduité, de ponctualité, le, euh, de respect des aînés, ce sont des valeurs primordiales, j'allais dire cardinales, qui permettent aux jeunes après de comprendre le bien fondé de euh, ce qu'ils font. Parce que sans valeur, eh bien, on va directement dans un mur. Chaque Gabonais, chacun dans sa famille, doit faire le nécessaire pour... Mettre les enfants sur les rails en matière de valeurs. Les valeurs de respect, les valeurs de euh, probité, les valeurs d'intégrité, les valeurs, euh, toutes les valeurs qui tournent, qu'on essaie de réveiller en ce moment, qui qu connaissent un éveil avec le CTRI, Mais Ce sont ces valeurs-là qui nous permettront demain d'aller vers notre félicité. Et surtout un éveil de conscience aussi. C'est important. Et euh, la trajectoire que prend euh, le CTRI, dans cette formation augure d'un avenir meilleur, puisque euh, dans 3, 4 ans, 5 ans, eh bien, tous ces jeunes qui sont dans ce moule, quand euh, ils vont sortir avec la formation, eh bien, ils vont cultiver ces valeurs. Et ça commence par la cellule familiale. Il faudrait que les parents, chaque parent à la maison, doit faire le nécessaire pour faire comprendre aux enfants que s'ils travaillent, forcément, il y aura une lueur. Dans la... sur un tout autre plan euh, la culture quelles sont les actions euh, envisagées pour promouvoir la culture euh, surtout nous sommes à l'ère du tourisme qui est aussi un maillon bénéfique qui est en phase avec les projets du CETERI on a vu la caravane euh, touristique arriver en, en, ici dans la province du Haut-Ogooué. Oui. mais, mais quelles est à votre niveau ces actions, ces projets euh, au niveau de, de notre feuille de route nous avons mis la construction des musées des arts culturels et traditionnels du haut ogooué avec salle d'exposition. Et nous avons mis ce musée à Potos, à l'endroit où en ce moment nous avons des personnes à mobilité réduite. C'est un terrain de la mairie. Et avec les financements de la tournée républicaine du, du chef de l'État, eh à cet endroit, nous allons monter un R1 ou R2 pour exposer toute la richesse culturelle et civilisationnel du Haut-Ogooué. Et on le fait à ce niveau. Et les, les personnels à mobilité réduite que nous avons là, nous allons les transférer au niveau de, du centre social de Bapili, où avec toujours cette 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 dotation du président de la République, nous allons ériger un un centre social moderne qui répond aux normes. Voilà. Donc nous avons de la vision. Nous voulons faire prospérer la tradition et la culture du Haut-Ogooué, mais c'est avec des salles d'exposition. Il faut intéresser les jeunes et dans toutes les familles. Il faut revenir aux sources. Et euh, dans ce sens-là, nous avons un projet avec un partenaire euh, pour euh, le mois, d'ici le mois de décembre à mars 2025, organiser un grand festival culturel de tous les établissements de, de Franceville et là nous aurons plusieurs disciplines les danses traditionnelles les contes les joutes euh, euh, verbales etc qui pourront nous permettre de déceler dans la jeunesse déjà dans l'avenir du pays voir quels sont les jeunes suscités de l'intérêt pour la tradition et pourquoi pas euh, euh, faire en sorte que de ces euh, comment dirait, de ces concours et différents examens culturels qu'on puisse avoir euh, des jeunes qui puissent prospérer et nous représenter, voulez des talents aussi, pourquoi voilà. pas Monsieur le délégué social, euh, qui dit projet, dit forcément partenariat, qui dit partenariat, des coopérations. Comment comptez-vous renforcer hein, la coopération et les partenariats pour favoriser justement le développement de cette région vous, vous avez cité, énuméré plusieurs projets. Il va falloir trouver plus ou moins des partenariats et surtout aujourd'hui. Euh, cette transparence dans la manière de travailler avec ses partenaires euh, qui, est, qui se veut totale aujourd'hui. Nous avons commencé à travailler déjà euh, depuis que nous sommes arrivés, nous travaillons avec les opérateurs économiques parce que nous avons déjà de la matière sur place. Nous avons des opérateurs économiques qui, ont, qui sont installés sur place et qui sont prêts à nous accompagner. Euh, nous, sommes, nous avons également trouvé des dossiers en instance de jumelage avec euh, des villes qui ressemblent à Franceville, par exemple dans l'Est de l'Afrique, notamment le Rwanda. J'ai trouvé un dossier et que je suis en train d'instruire pour voir dans quelle mesure nous pourrons faire un tour euh, du côté du Rwanda pour voir exactement comment est-ce qu'ils ont commencé aussi à, à puisqu'ils ont un, un relief qui est aussi montagneux comme le nôtre, voir comment ils exploitent les pans des collines pour construire des maisons, etc. Donc, voilà un peu ce que nous essayons de faire, mais nous sommes en attente. Et c'est pour cela que la caravane, la caravane touristique est très importante parce que elle amène également des opérateurs économiques qui viennent en tourisme pour regarder euh, quelles sont les, les potentialités de notre de notre région et franceville Dieu sait le sait en a. Nous allons travailler avec le ministre et le ministère de, de tourisme et tous les partenaires que nous avons économiques à franceville pour nous aider à réaliser un certain nombre de projets. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel ou sur le plan touristique et social qui pourrait qui pourrait nous intéresser à ce sujet-là. Tous ces projets évidemment nécessitent de la main-d'œuvre. Espérons-le qu'il y a une participation, il y a une contribution de, de la main-d'œuvre locale et surtout des Gabonais qui recherchent encore du travail, qui sont encore au chômage. J'espère qu'il y a quand même un cadre qui sera aménagé pour effectivement donner du travail aux euh, au Gabonais, et rien qu'aux Gabonais. À ce sujet-là, déjà tous les travaux qui se font ici, avec le CTRI, je pense que l'importance a été euh, mise sur, euh, comment dirais-je, l'attribution des marchés aux PME gabonaises. C'est important. Ensuite, derrière, nous vérifions si effectivement la main d'œuvre utilisée, elle est gabonaise. Et Dieu seul sait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui sont utilisés aussi bien au niveau de la foire que dans les, dans les chantiers que j'ai cités plus haut, ça contribue certainement à la réception, à la réception du, du chômage, mais nous allons encore implémenter avec euh, euh, les projets qui arrivent, voir comment est-ce que les Gabonais peuvent un peu plus rentrer dans ce champ, dans ce cercle fermé des, des, des entrepreneurs ou des, des PME. Déjà, nous au niveau du marché de Franceville Ville, par exemple, à Potos, nous avons euh, distribué les étals en privilégiant, bien entendu, les opérateurs économiques gabonais, en n'oubliant pas aussi la, la force que nous apportent euh, les opérateurs étrangers. Et nous, avons, nous venons de terminer euh, la commission sur euh, les box. Et là encore, nous avons fait la part belle aux Gabonais. Mais nous allons suivre. Il faut qu'on suive. On ne doit pas donner des box ou on ne doit pas donner des marchés sans suivre derrière. Il faut suivre. Il faut mettre de la rigueur, il faut suivre et rendre compte de tout ce qui se fait aux plus hautes autorités afin de faire des réglages nécessaires et ne plus refaire les mêmes erreurs euh, commises hier. Nous allons rester sur ces projets quelques minutes, M. Euh, le délégué spécial d'urbanisme et d'aménagement euh, du territoire. Nous avons vu des projets de grandes envergure notamment Franceville 2. Euh, nous, nous sommes allés sur le site de Franceville 2. Dites-nous en plus sur ce site. Euh, qui nécessite euh, beaucoup beaucoup de main d'œuvre et surtout un grand projet très attendu euh, ici dans la province du Haut-Ogooué. ville 2, c'est la nouvelle ville. C'est la nouvelle ville, c'est un nouveau quartier en quelque sorte, c'est un peu comme un Gonche mm -hmm. à Libreville. Donc, mais nous allons faire mieux. Nous avons cette euh, cette euh, comment dirais-je cette volonté de faire mieux, c'est-à-dire de créer une belle ville avec tous les aménagements nécessaires, tous les espaces pour les, les, les jeux, les loisirs, les, les espaces publics, les espaces économiques, touristiques euh, et de jeux. Nous avons déjà des zones qui sont réservées pour un certain nombre d'opérateurs économiques qui vont construire des logements. Nous avons des zones réservées pour euh, le, les espaces de jeux, pour les hôpitaux, les écoles. Nous avons ouvert, la mairie a ouvert une route. La route, elle est artisanale. Le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, a déjà lancé et payé tout ce qui concerne l'aménagement de la route, l'électricité et l'eau. Nous travaillons en collaboration avec euh, le cadastre. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est encore installé là-bas. Nous allons faire le travail préalable qui consiste en des réservations des parcelles et ensuite installer les populations dans des zones où nous saurons que là elles seront mieux installées, elles auront l'accès à l'eau, à l'électricité, que les problèmes d'antan qui se posent comme les inondations ne seront pas légion là-bas. Qu'il y aura toutes les commodités nécessaires afin que à masse -Coude, les populations puissent vivre dans des meilleures conditions possibles. Monsieur le député, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le mot d'ordre de euh, cette viabilisation qui doit répondre aux normes avant que les populations s'installent Il faut désormais veiller à ce que tout soit viabilisé et cela. tracé dans les cela. normes. C'est cela. cela. Et nous y veillons. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans les, les, les erreurs d'hier. Il faut absolument qu'on évite l'improvisation. Et pour éviter l'improvisation, il faut se projeter dans l'avenir. On se projette là à France-Ville dans 10 ans, dans 15 ans. On sera peut-être plus là, mais un être humain doit laisser des traces. Et c'est ce à quoi nous nous attelons faire en sorte que cette ville soit belle. Nous l'avons héritée de nos prédécesseurs. Monsieur le député, il quelques objectifs à court, à moyen et à long terme pour le développement et l'épanouissement de la population de france -Île. On voit une foire qui est en train de prendre forme. Le vœu, le vœu des plus hautes autorités, c'est de restaurer la dignité des populations gabonaises. Cette dignité passe par le milieu de vie. La propreté. Et c'est un travail que nous avons commencé à faire. Ce n'est pas facile. Nous sommes habitués à vivre selon un certain nombre de, de critères. Ce n'est pas facile. Mais on va cravacher. On va faire le nécessaire pour que les populations entrent dans le moule. On doit pouvoir garder Franceville propre. On doit pouvoir euh, conditionner ses ordures et attendre que euh, les camions de la mairie passent pour les ramasser. On ne peut plus faire de Franceville une poubelle à ciel ouvert. Ça, c'est important et ça rentre effectivement dans la restauration de la dignité, parce que un homme digne vit dans un espace propre, dans un confort, dans un. Il faut le minimum. Et vous avez remarqué, par exemple, depuis que vous avez fait le tour à Franceville, qu'on se bat pour ça. Et chaque fois que je descends dans un quartier, j'essaie d'attirer de, l'attention des gens, des commerçants, sur l'obligation le, 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 de maintenir son environnement propre, surtout quand on fait du vivre frais. C'est très important. Et ensuite, nous travaillons avec un certain nombre de sociétés gabonaises pour le ramassage des ordures, ce qui nous aide. Nous travaillons avec un certain nombre de sociétés pour la sécurisation d'un certain nombre de, comment de points stratégiques comme Potos, comme la garoutière de Mbaya. Comme la euh, Saint-Hilaire, pour éviter le banditisme. Et nous allons veiller au respect de la législation dans la vie commune. Un mot de fin, un mot de fin sur le premier anniversaire du coup de libération euh, du 30 août. Euh, monsieur le délégué spécial, je vais vous laisser conclure, notamment avec euh, cet anniversaire. Mais je dirais Fiat Luxe, que la lumière soit. Et on voudrait que cette lumière illumine les populations de Franceville à travers. Tous les travaux qui sont initiés. Et nous allons veiller à ce que les travaux à court terme puissent voir le jour, à moyen terme également. Et nous allons nous battre aux côtés du CTRI qui nous a fait confiance pour que euh, les populations gabonaises aient confiance au président de la transition. Pour que son rêve de voir le Gabon euh, se développer davantage de voir les Gabonais heureux puissent se réaliser. Et c'est cela notre travail. Merci, merci Monsieur le délégué spécial. Ça a été un plaisir de, de faire cet entretien avec vous. On espère dans un avenir proche pouvoir revenir et euh, encore voir euh, cette ville, euh, l'émergence de cette ville. Merci. Voilà, c'est bon. ici que s'achève cet entretien exclusif avec le délégué spécial, M. Dominique Christian Diogo. Qui euh, a voulu nous entretenir notamment sur la politique de développement et les enjeux économiques sur euh, cette belle ville de Franceville? À très vite et restez câblés sur nos antennes de Gabon 24.